sur un thème qui m'est cher, c'est la réciprocité et l'équilibre, l'équité dans les relations entre les hommes et les femmes. Parce que cette équité, ça ne veut pas dire que ce soit une égalité. Mais ça veut dire qu'il faut respecter aussi bien les hommes que les femmes. Et respecter les femmes, c'est les laisser s'exprimer sur un certain point. Et respecter les hommes, c'est laisser les hommes s'exprimaient sur un certain point aussi. Sauf dans un cas, c'est le point de la parole. On laisse les femmes parler jusqu'à un certain point. L'autre cas, c'est les... le point, c'est la... le, toucher. le toucher. Et on laisse les hommes toucher les femmes jusqu'à un certain point. Et par conséquent, quand il y a un excès au niveau de la parole chez les femmes, il y aura un excès au niveau du toucher chez les hommes. Et ça veut dire aussi que, c'est ce qui se produit de certaines manière, que lorsque les femmes parlent trop, et disent trop de choses qui sont trop dures, trop cruelles, trop personnelles, eh bien les hommes vont avoir envie de toucher la femme. Pas forcément de la blesser, mais en tout cas de la toucher, pour empêcher la parole quelque part donc il y a un équilibre à trouver il y a un dosage à trouver qui est très important et aujourd'hui le problème c'est que les femmes croient qu'elles ont le pouvoir de parler comme elles veulent et de se faire entendre comme elles veulent mais les hommes n'ont pas le droit de toucher et de les toucher et donc il y a une espèce de. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a, il y a un déséquilibre dans la relation qui ne fonctionne pas, et par conséquent, il faudrait rétablir la situation, c'est-à-dire être plus tolérant au niveau du toucher masculin, quitte à accepter aussi la parole féminine, ou alors, lorsque la parole féminine est excessive, laisser libre cours au toucher masculin.